Vous démarrez ce niveau de difficulté difficile dans la bouche de métro côté ouest. Dans les deux niveaux de difficulté supérieurs, vous ne trouverez pas de clé utilisée par les employés dans cette zone du métro. Inutile donc de la chercher. Passez le portique d'accès au quai, puis dirigez-vous dans la rame de métro à quai pour prendre une poche de sang. Explorez le côté est des guichets en passant le portique. Examinez la poubelle pour trouver le petit carnet de notes qui contient un code à découvrir, toujours 2916 en mode solo. Les autres possibilités aléatoires concernent uniquement le jeu en réseau. Allez à présent au bout du tunnel est du métro, là où vous combattez le boss de fin de ce niveau, pour trouver et lire le mémo déchiré contenant un code aléatoire, ici desk. Entrez par la porte tower de droite. Comme vous n'avez pas de clé, il vous faudra vous débrouiller pour forcer cette porte ou la déverrouiller avec un décroché d'Alice. Entrez dans la salle de contrôle principale pour y collecter le manuel du connecteur qui vous indique qu'il vous faut récolter deux emblèmes. Entrez ensuite la combinaison 2916 sur la console opérationnelle. Entrez dans les vestiaires en forçant la porte ou en utilisant Alissa. Puis saisissez le code desk sur un des casiers. Bonne pioche, vous y trouvez la clé d'accès menant au sous-sol. Plus qu'à utiliser la clé B2F sur la porte pour se rendre en sous-sol. Au bout de votre descente infernale, vous trouverez le volant de van, prenez-le avec vous. Et actionnez votre volant de van sur le réservoir pour faire évacuer l'eau de cette zone. Retournez remettre le courant au générateur de secours. Remontez les escaliers jusqu'à la réserve en fermant le tableau électrique. Opérez, suivant le schéma proposé par le tableau électrique du métro, la bonne combinaison en appuyant respectivement sur les 5 bonnes cases. Dans les toilettes, vous pouvez avoir un événement aléatoire qui se produit, comme ce cri de femme.
Entrez ensuite dans la zone de stockage pour récupérer le rouleau de bande adhésive qui va vous aider à colmater les tuyaux du sous-sol. Direction la salle des tuyaux au sous-sol pour réparer la fuite avec votre rouleau. Un petit coup de volant de vanne et le tour est joué. En sortant, ramassez sur le sol l'emblème fondateur Werner. Ressortez en déverrouillant de l'intérieur la porte Tower de gauche. Sur le quai du métro, placez le premier emblème entre les deux rames. Cela déclenche une scène cinématique, patientez jusqu'à la fin de la scène. Vous sortez de la rame pour aller voir de plus près l'incident et pour trouver le second emblème fondateur Oural. À placer à côté de l'autre entre les deux rames. Entrez à nouveau dans la rame pour accéder au poste de conduite, une nouvelle scène se déclenche. Vous voici capturé par une grosse bestiole à laquelle vous devez faire face. Une fois le combat terminé, retournez dans la rame pour attendre le démarrage de celle-ci et vous échapper de ce maudit endroit. Une fin alternative à ce niveau est possible. Faire, n'entrez pas dans la rame et attendez patiemment le départ du métro. Sur les rails où stationnait la rame qui vient de partir se trouve la clé de la tour d'aération. Ramassez-la. Rendez-vous en sous-sol, là où vous aviez trouvé le volant de vanne pour ouvrir la porte en face qui était verrouillée à l'aide de la clé de la tour d'aération. Une fois arrivé dans la salle de ventilation, traversez et grimpez à l'échelle en face de vous. Une fois en haut, actionnez le bouton lumineux pour faire descendre une plateforme. Redescendez l'échelle et traversez à nouveau dans l'autre sens et grimpez l'autre échelle. Puis descendez-en une autre. Pour traverser la plateforme après laquelle vous trouvez la roue de train miniature. Rebroussez chemin pour grimper à l'échelle puis grimper la suivante, la plus à gauche. Montez enfin une troisième échelle pour arriver au sommet de la tour de ventilation. Placez la roue de train miniature dans son emplacement réservé pour faire descendre une dernière échelle et quitter le niveau en admirant la scène proposée.
bright sky I hadn't seen in so long was clouded over. Somewhere, my wife and son are looking at the very same sky. Please, please let them be all right, and I promise I'll make it home to them.